Est-ce que tu as déjà osé parler de tes addictions, et particulièrement une qui peut piquer sévère, celle au porno? Salut, je m'appelle Camille, je suis hypnotiseur, et sur cette chaîne, je propose de nourrir notre créativité. Mais nourrir notre créativité, je pense que ça commence par être bien. C'est-à-dire que parfois, eh bien, il faut faire face aux difficultés, il faut aller à la rencontre de ce qui nous fait de la peine pour mieux le traverser. Il y a quelques mois, je parlais à une amie d'un couple de notre connaissance, bref, je lui demandais comment ils allaient, et elle me dit que sexuellement, ils allaient beaucoup mieux, et en me donnant des détails. Je lui dis, c'est étonnant, vous parlez de ces choses-là entre vous. C'est alors qu'elle me répond, bah oui, on partage, on s'inspire mutuellement, et ça permet de nous sentir soutenus. Et ça, ça m'a fait réagir. Parce que tu sais comment ça peut être bon parfois de juste partager à une oreille attentive un de nos tracas. Comment ça peut faire du bien. Alors pourquoi se priver quand on peut en parler? Prenons soin de nous ouvrir pour juste mieux aller. Ça fait un moment que je fais de l'hypnose. Et cette thématique du sexe, de l'addiction au porno, eh bien, elle m'affecte beaucoup parce que je la connais. Et je crains que malheureusement, il y ait peu de générations en ce moment qui y échappent. Cependant, je sais aussi qu'on peut s'en sortir. En parler, c'est déjà très fort. Et en parler avec un professionnel qui a l'habitude de traiter avec les addictions, eh bien, ça peut vraiment être l'occasion de faire la paix avec son passé, faire la paix avec un comportement et ne plus y revenir. Alors, je veux partager mes connaissances en hypnose et aider les personnes qui veulent en finir à trouver l'espoir et passer à l'action. Parce que même si à un moment, tu as pu te sentir coupable, même si ça peut faire peur d'aller se dévoiler, sache avoir foi en toi et t'en sentir capable, car on sera nombreux à pouvoir t'épauler. Si c'est le changement dont tu as besoin, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Mes contacts sont dans la description. Je te dis à bientôt. Salut.